Attendez. Je sais pas, je le sens trop bien. Si c'est bon, pas de voisin tué. Yes! On a eu un succès. Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je le sens bien pour ce dernier succès de la page numéro 2, la page cauchemar. J'explique. On a à peu près un succès tous les 2-3 games depuis le début. Et là, ça fait 3-4 games qu'on n'a pas eu de nouveau succès. Le clown est devenu de plus en plus fort au jeu de cartes, par contre. On en parle des dernières games où c'est impossible pour moi de gagner. Il m'envoie je sais pas combien de plus 1. Il a des cartes, il a des 9, il a des 8. Et moi, j'ai des 2, 3, 4, quoi. Donc, je le sens bien. Si vous le sentez bien, bah tout simplement, faites comme moi, likez la vidéo. Pensez à vous abonner pour me montrer. Vous pensez que j'ai débloqué le dernier succès de la page numéro 2. Et let's go pour la game en mode cauchemar. Alors, en termes de succès, je me dis, est-ce que ce serait pas un truc avec plusieurs VIP sur la même game? Peut-être que ce serait gagner X fois contre le clown ou perdre X fois contre le clown. Je vous avoue que je sais pas ce que ça peut être les derniers succès. On va essayer de voir ça. On va déjà regarder s'il y a des VIP sur la liste. Pas de VIP. Ils sont que 4. Ça va être une game qui va être difficile parce que c'est-à-dire beaucoup de doppelgangers. Qui veut dire peut-être aussi avec des doppelgangers et des problèmes physiques. Et les problèmes physiques sont difficiles à trouver. Donc lui déjà, il est pas sur la liste. Pourquoi t'es pas sur la liste? Alors on rappelle que on n'a jamais eu de problème ici. Si j'appelle, son frère va me confirmer qu'il est bien dehors. Donc c'est le 2-6-6-8. Ça, let's go. Je pense que ça va rien changer. S'il est devant moi, c'est qu'il devait être dehors. On n'a jamais eu un souci sur la version cauchemar là-dessus. Enfin, c'est même pas un souci, juste une confirmation comme quoi il est à l'intérieur. Donc Exael et Barbato, c'est pas la maison. En vrai, je me demande, est-ce qu'il y a encore un intérêt d'appeler dès que t'as quelqu'un en face de toi? Ça veut dire qu'il doit être dehors. Barbatos Barabam, DDD672, jouez avec moi dans les commentaires. Surtout si vous voyez des défauts physiques que moi je ne vois pas. Parce qu'une fois qu'on a laissé passer le voisin, on sait qu'après, c'est que des doppelgangers. Donc il y a des fois, je pense que j'aurais pas les défauts physiques. Ok, Barbatos Barabam, ça s'écrit de la même façon, c'est bon. 896, 689, 896, 689, 886, 989. 886, 989. Ok, c'est bon. Physiquement, on va regarder les tatouages. Tatouage ici, il a l'air d'être pareil. Je vois le trait au-dessus, le trait là. Le point au-dessus de la boucle. Le trait et les deux traits. Ça, c'est bon. Ici, le JG avec les deux traits en dessous. Ça, c'est bon. Il a 15 cornes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce qu'elles sont positionnées pareil? Parce que c'est surtout ça, je pense qu'il faut regarder. Ok, elles ont l'air d'être positionnées de la même façon. Ça a l'air d'aller d'un point de vue physique là-dessus. Les dents sont pareilles, les yeux ont l'air d'être pareils, le nez aussi. Ok, j'ai envie d'y croire. Bon, je vous avoue, d'un côté, quand tu croises un truc comme ça, t'as plutôt envie de le laisser passer que de l'énerver. Non, les yeux sont pareils, ok. J'ai pas trop envie de l'énerver, lui. Il est là pour casser des os, j'ai des os fragiles. Donc let's go, je laisse passer. Ok, c'est bon. Il est sur la liste? Il est pas sur la liste. Donc encore une fois, vous savez quoi, cette fois-ci je vais me faire confiance, je vais pas appeler. Parce que s'il est en face de moi, c'est qu'il doit être en face de moi. Dagda Chrome Cruash. Ah oh, ok, vu. Problème de DDD. On va lui dire, peut-être qu'on peut l'énerver, enfin. Mon ID c'est perfect. Mais ça va le melon? Ça va le melon? Comment ça c'est parfait? Ah, ils en démordent pas hein, dans la version cauchemar. Hein. Pour eux, tout est parfait. Genre, tu lui mets son nez dans la carte d'identité. Non, je vois pas de défaut. Je vois pas de quoi vous parlez. On a l'impression que c'est l'administration française. Ah, ils vont te reprocher tous tes défauts, mais par contre, quand eux, ils ont un problème, plus personne répond. Bon, pas de souci. Non, non, monsieur, tout va bien. Tout va bien. Excuse-moi. Excuse-moi, Dagda. Ok, physiquement, il me paraît parfait. En tout cas, des défauts que je connaisse. Les défauts qu'on connaît, c'est une cicatrice ici. Les ronds au niveau des yeux qui ne tournent pas dans le même sens. Des petits os ici, deux petites pointes. Orcus Dispater, DDD 1167, DDD. Je le sens bien, cette game, pour le dernier succès. Je le sens vraiment bien. Orcus Dispater, 632, 525. 632, 525, 984, 964. 984, 964. Bon. Ça me paraît bien, ça.
On va le laisser passer. Je regarde parce que les défauts physiques, il a bien 8 dents. Je connais pas tous les défauts physiques des 15 games, c'est encore pas assez. Je sais pas, genre sur le mode arcade, on a combien de games? 70, 80? Ok, c'est bon. Donc c'est ce qui fait aussi que, bon bah maintenant, défauts physiques, je pense que je me fais plus avoir. Hein. Dogda, Chrome Cruel. C'est Dogda ou c'est Dagda? C'est Dagda, c'est pas Dogda. Hein. Alors là, encore une fois, tu veux lui dire qu'il y a un problème sur son ID? Mais... C'est fou ça, quand même! Je vous dis, c'est l'administration française. Non, il n'y a pas de souci. Ou un prof. Le prof, quand tu dis qu'il a fait une erreur? Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est toi qui as mal entendu ce que j'ai dit. Non. Ne me la fais pas en l'envers. Ok. Ça, pour moi, c'est plus simple. Quand c'est des problèmes d'écriture, c'est beaucoup plus simple pour moi. Les problèmes sur le numéro, c'est assez difficile. Parce que souvent, ça se joue à un seul chiffre. Et bien inversé, c'est un chiffre qui ressemble genre à un 6 et un 8 ou un truc comme ça. Donc c'est pas si évident que ça. Et défaut physique, eh ben il y en a encore plein que j'ai jamais vu. Du coup, on n'a pas eu le vrai. Bon, c'est peut-être le vrai cette fois-ci. Dagda Chrome Cruage, DDD 1175. Ok, Dagda Chrome Cruage, DDD c'est bon. 965 845 863 219. Attendez, je me suis trompé. 863 219. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on connaît comme défaut physique avec lui? En vrai, j'en sais rien. Il porte un chapeau, là il a son chapeau. Il a la bouche qui est cousue, pas de problème. Les coutures ont l'air d'être dans le même sens. On va regarder un peu les dents. Je sais pas, je m'attends à avoir un défaut au niveau des dents. Ou au niveau des coutures. Mais là, ça a l'air d'être identique. On voit bien les deux narines. Je regarde aussi les ouvertures au niveau du masque. Est-ce que ça va dans le même sens? Ouais, ça a l'air d'aller dans le même sens. Les spirales ont l'air d'être identiques au niveau des yeux. Ouais, ça me paraît bien, là. Ça me paraît bien. Ouais, ok. C'est un bon épouvantail. C'est un vrai épouvantail. Ça, c'est un bon. C'est un bon. Et mon succès? Il arrive quand, mon succès? Peut-être en fin de game. Peut-être le clown. Ok, donc on sait que c'est bon. Physiquement, elle me paraît bien. Physiquement, elle me paraît bien. Elle est sur la liste. Nyoctasmog. Nyoctasmog. DDD265. DDD Nyoctasmog. 986-463. Ah non, elle est au 2-1. 986-463-213-811. Ok. Elle, on la croise assez souvent sur mes games. Alors, je sais pas vous si vous la croisez souvent, mais... On laisse passer. Je sais pas, je le sens bien. Je le sens bien, cette game. Je la sentais bien aussi, cette voisine. Nice. Lui, je connais quelques défauts physiques. Je sais qu'il y a les sourcils qui se dédoublent. On a des petites cornes ici, des petites pointes. Les bijoux qui sont écartés. Donc ça, c'est bon. Les boucles d'oreilles sont positionnées pareil, là. Shugnar Foam DDD 1.71. Ça a l'air d'être identique. Je regarde les bijoux. Oh, le tatouage. Regardez. Et là, imaginez sur mobile, comment vous pouvez voir ce genre de détails, de ce genre de défaut? Ici, c'est lié à la courbe. On voit bien qu'ici, ça va. Et alors que là, il est séparé. Allez, vas-y, énerve-toi. Donne-moi un coup de trompe. Allez, s'il te plaît, donne-moi un coup de trompe, énerve-toi. C'est fou, ça. Les éléphants, ils sont trop gentils. Et mon succès? Marche-moi dessus. Écrase-moi. Le gars un peu bizarre. Ah si, écrase-moi, marche-moi dessus. Le gars légèrement soumis, le portier. Léger, léger. Mais ça marche pas. On voit mieux ici, j'ai l'impression.
Ok. Il est sur la liste. Apache Xibalba, il était juste derrière moi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Apache Xibalba, DDD, 1282, c'est bon. DDD, c'est bon. Ses yeux sont pareils. Ils sont toujours aussi gros que ça. Ouais, ils sont toujours aussi gros que ça. Je l'ai pas laissé passer, lui. Je m'en souviens pas. Je me souviens pas l'avoir laissé passer. Mais je commence à avoir un doute. Parce que si vous savez pas, en général, je joue, je fais 4-5 parties pour les vidéos à la suite. J'oublie parfois des choses. Si c'est sur cette game ou les games précédentes. Eutates, ok. Ah non, Punch, il est pas là. Ok, c'est bon. Donc, Punch. Physiquement, est-ce que t'es bon? On va regarder le code. 564-895-213-647, c'est ça. 213-647. Les oreilles sont identiques. Les yeux sont identiques. Le masque ressemble. Il est sur la liste. On laisse passer. Allez, frérot, donnez-moi mon succès! Je me mette à genoux, c'est ça? Ok, toi, c'est pas possible. Mais là, est-ce qu'il y a un problème physique? Je crois pas, hein. Physiquement, ça a l'air d'être bon. 1175, le logo DDD est bon. C'est là, regardez. C'est pas un U, c'est un V. Et là, il va encore me dire, non, mais il y a... Hey, on l'a vu combien de fois, lui? 4 fois, là? Il va encore me dire qu'il y a aucun problème sur sa carte d'identité? Non, mais il est dans le déni! T'es dans le déni, frérot! Arrête! C'est, ça devient plus... C'est plus drôle! Arrête ça! À un moment, accepte ton erreur! Ah là, on est en mode, on traîne Dagda Chrome Cruage pour le Dididi, hein. Là, d'un point de vue algorithmique, on l'a boosté, hein. Allez. Vas-y. Lui, on l'a pas laissé passer. Est-ce qu'il a la même tête que d'habitude? J'ai l'impression qu'il y a un défaut sur son visage. Chognar Fogn. DDD, 71. C'est bon. DDD, c'est bon. Il vit au 2-1. Ah non, il a bien ses petits yeux-là. Ici, en termes de traits, de poche sous les yeux, c'est bon. Je sais pas trop, lui, ce qu'il pourrait avoir comme défaut. Alors, on a trouvé au niveau du tatouage. Là, vous voyez bien, là, c'est lié. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était séparé. La forme de son crâne a l'air d'être la même. Je vais quand même regarder le tatouage, parce qu'il peut avoir un problème dans le tatouage. Et genre, je me fais avoir... Les yeux sont, ont l'air d'être identiques. 456-989. Faut pas que j'oublie ça. Ok. 632-368. 632-368. Ok. Là, c'est peut-être le vrai. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un défaut physique. Sa tête est identique. J'arrive pas à me dire que c'est le bon. Ok, ça doit être le bon. On va le laisser passer. Parce que j'ai rien vu, mais ça me laisse un sentiment qu'il y a un problème. On va voir. Ok, c'était le bon. Quoi? Non mais stop! Mec, arrête de monopoliser l'attention quand même. Au bout d'un moment, il faut laisser la place aux autres. Il a un souci. Je pense clairement qu'il a un manque de reconnaissance auprès de ses frères et auprès des autres. Mec, c'est bon, t'as eu ton quart d'heure de gloire. Arrête, au bout d'un moment, faut arrêter d'abuser, quoi. Calme-toi. Dogda, Chrome Cruage, c'est Dogda? C'est Dagda? C'est Dagda, hein? On n'a pas eu déjà Dogda tout à l'heure? Eh oui, c'est Dagda. Oh, excuse-moi. Je vais encore dire qu'il y a un problème avec ta carte d'identité, ton entrée request. Tu vas me dire que c'est parfait. Eh ben voilà, non mais frérot, arrête de nous faire la même blague tout le temps. C'était drôle la première fois. 5 fois après, bon, stop, quoi. Stop! Alors là, on est sur un niveau... Il y a celle qui se présente 3 fois. Et puis, il y a celui-là qui se présente 5 fois dans la même game, quoi. 3 times, 3 times, 3 times. Putain de ma gueule.
Honnêtement, c'est fou. On l'a eu tellement de fois. Après, quand c'est des problèmes sur les papiers, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est beaucoup plus simple quand c'est des problèmes sur le papier. Bon, par contre, le clown, quand est-ce qu'il arrive et est-ce qu'on va pouvoir gagner la game? Parce que les dernières fois qu'on a rencontré le clown, bah voilà, il est là. Les games étaient vraiment très difficiles, je trouve. Allez, on va se mettre plus petit. Oui, je veux jouer. Oui, je veux jouer. Je veux jouer, t'inquiète pas. Allez, c'est parti pour la game. Tu lâches quoi? On skip. Oh, ça c'est bien. C'est bien. J'ai deux wide, donc deux cartes sauvages, une reine et un as. J'ai une carte plus 1 et un 7. C'est un 10. Ok. Donc je pense que ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre le plus 1. Ok, il est pas content. Un 3. 3, je peux... Je fais quoi? Est-ce que je joue une wide dessus? Moi, je joue une wide dessus. Je joue mon 7 et comme ça, ma dernière wild, je peux la mettre sur n'importe quoi et c'est gagné. Ok, le plus 1 qui me met bien. Et le fait d'avoir des wilds, c'est quand même super fort. Oh, un 10? Bâtard. Il avait un autre 10? Oh là là. Waouh, j'ai pas une wild. Ah, c'est mort là. Là, quoi, je joue un 6. Je joue un 6, une carte assez haute mais pas trop haute. En espérant qu'il joue une carte sauvage et après je peux jouer mon 9, il est bloqué. Ok, nice. Je vais rester avec un 6. Tout à l'heure, il a pas pu jouer sur le 6, donc il a eu la wild, il a pu jouer dessus. Oh, il a un 10. Ah, le bâtard, il a pioché une carte de fou. Ah, je vais jouer la white, je suis obligé. Je vais jouer un 9. Ok, il pioche. Encore, pioche. Oh, il a pu jouer un 9 dessus. Aïe, 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 il a gagné. Il a gagné ce round, c'était chaud. Je me doutais qu'il avait une carte 5 ou juste en dessous. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué mes 5. Oh, on a une très belle main. Je vais garder ma white pour après. Je joue un 2, je joue un 6. Il a rejoint un 6. Ok, c'est gagné. Hein. C'est gagné! Allez! Est-ce qu'on va avoir un succès? Alors là, par contre, c'est la question. On se reverra, c'est sûr. J'aurais pas la même chance la dernière fois. Non, mais attends, attends. La dernière fois, tu m'as volé mes games, le clown. Il m'a volé clairement mes games la dernière fois. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je sais pas, je le sens trop bien. Ici, c'est bon. Pas de voisin tué. Yes! On a eu un succès. Cool. On va aller voir ça. Quoi? C'est pas le bon succès? Je suis dégoûté. C'est quoi comme succès qu'on a eu? On a eu un succès sur la page 1. Il me manque du coup un succès sur la page 1 et un succès sur la page 2 maintenant. Oh, je suis deg. Bon, on a eu un nouveau succès. On avance sur le jeu. Si vous voulez que j'aille tester des choses en vidéo, que ce soit d'autres jeux ou bien celui-ci, faites-le savoir. Et surtout, bah, n'hésitez pas à aller checker le nouveau let's play d'un jeu d'horreur qui est gratuit, Indigo Park. J'ai kiffé le jeu et je pense que vous aimerez la vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Wendy. Ciao, ciao!